Il pète pas ce clip, moi je trouve ce clip absolument énorme. Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, merci à tous les potes d'être là, et potes féminines, de suivre ce truc. Alors j'ai essayé d'intégrer le live, moi mon écran il est là, mon écran de surveillance, donc en fait je vois un petit peu, on voit pas grand chose, je sais pas si vous voyez grand chose au niveau de l'écriture du live, peut-être qu'en plein écran ça donne mieux, voilà. Bon bah écoutez, donc le but aujourd'hui, battre le score de Kung Fury et surtout passer un moment avec vous. J'ai l'impression d'être au club Dorothée. Salut, c'est Dorothée. Et j'espère qu'on va passer une matinée de folie. On va regarder Dragon Ball Z. Et puis on va surtout regarder un mec jouer sur Kung Fury. Et puis voilà. Alors le seul problème, c'est que je vois pas bien ce que vous dites. Alors, parce que vous parlez beaucoup là. Touche my tralala. My ding ding, donc très bien Seigneur Falken. Salut les gens, salut gros slip et puis donc salut vraiment à tout le monde, merci vraiment, merci d'être là, ça me fait trop plaisir. Je vois que j'ai 9 viewers, je suis content, moi je m'en fous, je suis content, j'ai mes potes, j'ai ça me va, vous participez, ça, je suis content, merci. Bernard Minet, un autographe, Bernard Minet, un autographe, casse-toi je te dis. Alors attends, bon on va lancer, je lance le jeu, il faut que je baisse un peu le son quand même, hop là sinon, voilà. Je lance le jeu, je change de caméra, si ça veut bien. Ah parce que j'ai quand même tout préparé avant. Hein. Sauf le Twitch, le hitbox qui avait foiré. Au niveau de l'authentification, j'ai dû me retaper une config. En fait, là, on aime ça un peu. Bon, alors, vous voyez mon personal best, en fait, c'est pas 83 000, c'est 186 000 parce que j'avais fait ça au boulot. Chut, faut pas le dire. Jeanne, chut. Donc j'avais fait ça au boulot, 186 000, et le but, bah, c'est essayer de battre le record. Je pense sincèrement que je ne vais pas y arriver. Alors hop là, donc tac. Allez, c'est parti, hop là, on a une pièce. Allez, go, 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 go. Bah, super. Alors, attends, j'ai les boutons qui marchent pas. Pourquoi j'ai mes boutons qui foirent complètement? Pourquoi j'ai mes boutons qui marchent pas bien? Là, j'insère une pièce. J'ai mes LR qui marchent pas. Putain, c'est d'autres LR, fais chier, je les aime pas. Bah, je vais essayer, hein. J'aime vraiment pas cette maniabilité. En même temps, ça pourra vous... Donc, Jeanne, qui fait que 6000 points, tu me disais, ça pourra peut-être te montrer comment il faut jouer. Faut pas s'exciter sur les boutons. Putain, j'ai vraiment pas ce conflit de boutons, c'est horrible. Oh, j'ai l'impression de pas appuyer sur les boutons, c'est horrible. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup parce que forcément... Je me concentre. Non, parce que c'est franchement showtime. Ah merde! Ah putain! Là, y a quand je commence à perdre le fil. Alors là, j'ai fait n'importe nawak. Je peux même pas regarder ce que vous dites sur le chat, putain! Ah! Fait chier parce que là. Ah putain! Ah, 110 000! Bon, c'est pas mal! Mais j'ai. Alors, l'application Hitbox, c'est de la daube. J'ai perçu le fil Barnet. Putain, par contre, ça me fait. Non, c'est juste que ça me fait un peu chier là. Je vais juste vérifier mon câble. Hop là, le câble. Hop! J'en déconnecte, reconnecte. Allez, que les LR ils marchent là! Putain, pourquoi ça marche pas? Tu sais quoi, hein? Alt F4, alors bim, on relance. Non, non, il faut absolument... En fait, je joue en général avec les boutons LR qui sont sur la manette. Parce qu'en fait, il y a que deux boutons utilisés pour le jeu. Alors, sur l'iPad, je trouve que ça a moins de réactivité. Et pareil sur l'iPhone. Enfin, moi, j'ai testé surtout sur l'iPhone.
sur la manette, on compte bien ces coups qu'on donne. Putain, j'ai pas ma config, ça, ils ont dû faire une mise à jour, c'est pas possible. Ah, bon, bah, je vais essayer avec les boutons B et X, alors. Mes premières amours, que j'avais fait dans la vidéo, en fait. Mais en fait, il y a que ma main droite qui bouge, alors... c'est quand même moins pratique. Non, je ne parle pas. Non, je ne lis pas vos messages. Ouais, paf le chien! Ah putain! Bitch! Ça va chier. Là, je me transforme en super guerrier, là. Ah putain! Ah putain! Ah non, par contre, ça fait chier, je fais n'importe quoi! Voilà, là, j'ai perdu tous mes bonus, j'ai réussi à m'en sortir du truc que j'avais complètement foiré. Mais bon, là, ça risque d'être tendu du slip quand même. Ouais, je l'ai pas vu. 59 000 points, wouhou! Non, par contre, j'ai pas mes boutons là, putain! Et si je change de port? Ou sinon, je vais les mettre sur un port alimenté. Ah! En fait, je suis en tenue d'été, hein. Ah merde! La partie a commencé, c'est très bien. Non, mais ça va pas, ça va toujours pas. Non, à mon avis, ils ont dû faire une mise à jour. Parce que ça, ça me faisait pas ça avant. Allez, en direct sur le PC. Hey, 110 points, la grande classe! C'est clair, le jeu de la rage. Ah bah salut gros slip, je suis désolé, bah de toute façon la vidéo elle va aller sur la vidéo elle va aller sur YouTube après, donc je l'enregistre également. Donc si vous avez des lags, des machins, bah ça ira sur YouTube. Bon par contre bah je suis obligé de jouer avec les mini gâchettes là, et j'aime vraiment pas du tout quoi. Avant je jouais avec les gâchettes, alors à moins qu'on puisse paramétrer la manette de Super Nintendo. C'est peut-être pour ça que ça marche pas bien, parce que j'ai je sais pas combien de manettes qui sont branchées. Bon, je tente le coup et après je débranche toutes mes manettes. En tout cas, moi le film j'ai bien aimé. Alors je trouvais qu'il manquait un petit truc parce que. Et à mon avis, c'est parce qu'il est trop court. Merde, parce qu'il est trop court. Parce que le film est vraiment bien. Les effets spéciaux sont excellents. Les références sont excellentes. La musique elle cartonne carrément. L'humour, tout. Vraiment, tout est excellent ce film. Il manque un petit truc. Bah, justement. Merde, putain. Il y a plein de passages de la. Du clip qu'on ne voit pas. Par exemple, tous les punks à la Mad Max, on les voit pas. Donc ça, c'est dommage. Alors, est-ce que le clip a été tourné spécialement ou est-ce qu'il va y avoir une version longue? Je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai dit, je débranche la manette. Alt F4. Non. Ah bah oui, forcément, j'ai débranché mon clavier. Que je suis bête. Hop. Hop. On va faire cracher le jeu. Ah non, putain, c'est chiant. Franchement, par contre, c'est super galère. Alors, hop là. Alors, Mitch Murder, la musique, je l'ai déjà. Hein. J'ai déjà récupéré. Officiellement. Et en fait la musique je l'adore, je l'écoute dans la voiture. Et j'adore aussi la musique Hacker Time là, je sais plus quoi. Attends, regarde. Ah putain, ça marche toujours pas, fait chier. Alors par contre franchement je vais pas y arriver. Bon bref. Non les musiques je trouve vraiment excellentes. Et justement pour le jeu, il y a quelques-unes des musiques du film. Alors je sais pas si elles-ci sont toutes. Il pourrait faire nettement plus que ça hein, au niveau du jeu, je pense qu'il pourrait faire un truc absolument énorme. Parce que graphiquement le jeu est vraiment excellent. Tous les effets spéciaux qu'il y a, en fait ils ont mis le même soin que dans leur court-métrage. Oh putain, je fais n'importe quoi, coup dans le vent et je perds mon combo de la mort qui tue la vie. Je suis dans la merde.
Concentration à mort de la mort. Putain de la mort. Je dis concentration et je fais n'importe quoi. Oh. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, là, je me paume un peu dans ce que je fais, hein. Je sais pas comment je suis encore à peu près vivant. Ah là, c'est obligé là. Mais c'est chiant ces boutons, pourquoi ils ont changé? Alors à moins que je fasse left là. Ah, je vais essayer. Yo. J'aimais bien mes petites gâchettes là, j'aime pas appuyer sur le stick là. Ouais, je fais n'importe quoi. J'ai fait exprès pas y jouer aujourd'hui pour me dire allez, ce soir. C'est le grand soir. Putain, voilà. Et j'arrive pas, putain. Je suis en train de sur les espèces de pseudo-gâchettes là. Ah. Je me mets à l'aise, hein. Est-ce que vu la merde que je suis en train de faire? ...32 000 points. Alors, qu'est-ce que vous dites un petit peu, Géo, t'es en short? Oui, je suis en short. Je suis en mode vacances. Change peut-être, tu regardes sur Chrome pour qui? Ah, pour Gros Slip, change de tel. Ouais, mais Gros Slip, il a beaucoup de problèmes sur l'application, en fait. Ah bah écoute, Seigneur Falken, je vais regarder, je vais écouter les autres albums de Mitch Murderer. Ok, bah faut que je vais jeter un yeux, un peu comme Perturbator, j'aime bien. Je joue en même temps que toi sur l'iPad, moi encore 64 000. Ouais, mais en fait, James Bell, le problème c'est que sur iPad, je trouve que la réactivité est quand même vachement moins bonne par rapport justement à la manette. Mais putain, pourquoi j'ai pas mes gâchettes? J'ai pas d'autres manettes de brancher là. Putain, franchement, ça me gonfle. Bref. Gros slip, t'arrives à voir ses couilles sur ton portable? Alors, ça, elles sont énormes. Il a mis le logo exprès. C'est peut-être ça qui, pour ça qu'il joue mal. Bon, vous voyez, hein, Géo XB, là, regardez, Géo, hop, 186 810, paf, allez, cette fois concentration. Transformation super guerrier niveau 3. Avec les putains de gâchettes que j'aime pas! Ah putain, je suis un peu trop vite. Merci.
n'importe quoi. Ah putain, 125 000. C'est horrible avec ces gâchettes en fait. Kong Fury. Je peux pas trop lire ce que vous dites, alors c'est un peu chiant. Alors j'essaie de jouer avec les pieds. Alors, ce qui est un peu galère au début, c'est que c'est juste un poil long parce qu'en général, c'est super. Enfin, c'est assez simple une fois qu'on est habitué au jeu. Donc, à chaque fois, faut se retaper le début. Quoi. Là c'est dur là, oh! J'avais un super score là. Le problème c'est quand on s'emballe, putain. On se perd dans les combos, ça devient super dur. J'ai fait n'importe quoi, 168 000, putain, j'étais concentré. Ah, putain, je suis dégoûté. Qu'est-ce que vous me dites? Kong Fury. Ouais, Ninja, en fait, j'ai compris comment il fonctionne, mais il part pas toujours du même côté. Donc, c'est plus ou moins galère. 168 000, je suis content, j'ai réussi à faire un score à peu près potable. Mais le pire en fait c'est quand on se perd dans les combos. Quand on se perd dans les combos après on fait des... Ah bah là je fais n'importe quoi donc autant recommencer. Donc en fait quand on se perd dans les combos quand on se perd dans les combos bah après on fait des mises. Donc on perd parce que je crois que ça divise par deux le combo. Et ici où on se fait toucher et donc un mise plus touché là c'est bon. Donc pour info, le film Kung Fury, donc il est gratuit sur YouTube avec les sous-titres. Par contre, vous pouvez aussi l'acheter sur VHX, je crois. Ça coûte 5$, donc si jamais vous voulez les encourager. Donc le jeu à 2$, le film à 5$, je pense qu'on n'est pas trop floué, quoi. Et après, vous pouvez regarder en offline sur votre iPad, sur votre téléphone. Avec ce système là ou sinon vous le téléchargez sur YouTube. Merde, vous le téléchargez sur YouTube et puis vous le mettez en MP4. Putain je fais n'importe quoi. Ah ça m'énerve. Putain je suis un mec, je peux pas faire deux trucs en même temps, parler et taper sur les ennemis. Ça va chier là. Putain, j'ai fait n'importe quoi! J'ai fait doublement n'importe quoi, triplement n'importe quoi! Putain de tutu! Corps de merde! Ah non, franchement, c'est pas facile.
Putain, je fais vraiment n'importe. Mais surtout, j'ai pas mes gâchettes. Putain, pourquoi ils les ont enlevées? J'aimais bien les deux gâchettes là. Kong Fury. Là, c'est la musique de Supercopter. Alors, je sais pas si vous l'entendrez bien dans le jeu. Pas la musique, on dirait vraiment Supercopter. Alors là, moi. Quand je vois un mec, là j'ai vu sur jeuxvideo.com un mec qui a partagé, d'ailleurs je voulais partager sur, en commentaire sur la page Megatest Retro, le mec a fait 268 000 je crois, je me suis dit putain mais comment il a fait quoi. Alors ce qui est bien avec les trucs, les robots là, ils rapportent vachement de points. Inconvénient, ils font... C'est eux qui peuvent vraiment te foutre le bordel dans ton combo. Parce que si t'appuies pas 4 fois, voilà. Là j'ai foiré. Là j'ai foiré. Alors je sais pas comment j'ai fait pour réussir pour m'y retrouver là. Putain. Ah merde. Ah ouais. Il est au chômage. Franchement, j'en sais rien. Oh, 540 000 sur la page. Putain, mais... Oh, mais le mec, c'est un furieux. Il a trouvé un truc qui a plu à sa place. Ça se trouve, en fait, le tableau des scores, c'est un fichier TXT. Il suffirait juste d'éditer le fichier. Ouais, ça serait con, quand même. Après, t'as plus d'intérêt, un peu comme le jeu Clicker Heroes, que Grosse Lib. Alors, je sais pas si Grosse Lib est toujours là. En fait, j'avais trouvé un petit jeu qui n'a aucun intérêt, qui s'appelle Clicker Heroes, qui est gratuit. Vous pouvez jouer en Flash ou sur Steam. Et en fait, c'est, y a aucun intérêt. Le but, bah, vous cliquez sur des méchants et vous leur bouffez les vies. Et le but, c'est d'augmenter vos combos, vos dégâts, en gagnant de l'argent. Les ennemis ne vous font pas mal. Donc vraiment, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et je m'y étais mis. C'est le petit jeu que j'appelle le jeu caca. Et Gros Slip, il s'y était mis aussi. Il a trouvé un moyen de craquer le jeu. Il a trouvé des éditeurs de sauvegarde. Et en fait, ça m'a dégoûté. J'ai essayé l'éditeur de sauvegarde. Et en fait, après, ça... On perd tout l'intérêt du jeu. J'ai réussi à parler, à raconter tout ça, sans perdre mon combo. Ouais, bah là... Là, je me paume un peu trop. Putain, j'ai fait n'importe quoi! Ah, j'étais concentré! J'ai envoyé un message à qui? Salut Alfred, Alfred au top. T'as envoyé un message à qui? Parce que si c'est envoyé un message sur, il y a 5 minutes sur Facebook, je réponds à tout le monde. Donc je sais pas si tu as répondu, on ne me répond point. Alors, je sais pas si t'as envoyé un message maintenant sur Facebook. Il est où mon téléphone? Kong Fury. Non. Alors je sais pas, j'ai eu un David tout à l'heure avec qui j'ai discuté parce qu'il a des problèmes sur Hyperspin. Allez, concentration, hop là. Paf le chien, paf les nazis. Tiens, ça me rappelle, j'ai fait une petite partie tout à l'heure de Wolfenstein The Old Blood.
Et j'ai un live à vous faire dessus pour vous présenter le jeu, donc la... Le jeu qui se passe avant The New Order, mais qui est sorti après. Et qui coûte 20€. Ah putain! Ah! Comment je fais pour m'y retrouver, putain, j'ai battu mon score! Merci. Merci. Oh putain. Ah, j'étais sans stress là, mais il faut que je fasse 250 000. Donc là, premier objectif atteint. Second one. Bon là j'ai eu des bols parce qu'en fait les ennemis, ils arrivaient pas tous en même temps. Le ninja, je l'avais pas en même temps dans un autre groupe. Donc ça c'était plutôt cool, mais à la fin c'était super dur quoi. Alors après l'autre, excuse-moi, je vais lire ce que... Hein, et pas il y a 5 minutes, genre il y a 3 jours. Bah écoute, est-ce que tu peux me renvoyer un message s'il te plaît sur la page Facebook? Je vais... je te répondrai soit après le live, soit demain matin. Donc je suis désolé, peut-être que j'ai peut-être que j'ai zappé un truc, je suis désolé si je n'ai pas répondu. J'ai encore du mal à m'acharner. Regardez tout se passer. Ah attends, parce que là vous avez écrit plein de trucs là. Kong Fury. Alors j'ai dit quand même, il faut dire que le jeu est un peu barré de base. Merci Seigneur Falken. Allez hop. Attention. Paf les nazis. Non, je suis content, j'ai battu mon propre score. J'étais putain de concentré. Je regarderai la vidéo de concentration pour voir la tension qui règne. En plus, ça fait longtemps que c'est vrai que j'avais pas fait un petit live. Mais là, je me dis, un petit live pour ce genre de jeu, ça peut être super sympa. Et gros slip, faut qu'on se refasse des lives, hein. Faut que j'en fasse aussi avec Ayou, mais Roche, si t'es chaud, pour qu'on se fasse une petite partie. Ah putain! Une petite partie, de jeu en ligne. De Super Nintendo, d'arcade, ou un truc qui tourne à peu près, hein. Ah putain! En fait, plus on avance et plus les mecs ils vont vite, alors c'est super chaud. Comment je m'y suis retrouvé, je sais pas. Putain, ah, on sait jamais où il va ce mec, c'est chiant.
Salut Bro Slip, et merci d'être passé, et puis on se fera un truc, hein, T4. Kung Fury. Alors en fait, Seigneur Falken, oui, un live, pas de problème, ça serait trop cool, il faut qu'on en fasse un, hein. Faut que tu viennes. En plus, tu connais pas mon chez-moi. En fait, il faudrait que tu viennes, on se fait un live, par contre, ce sera pas avec la Super Nintendo en direct. Ça sera avec la manette de Super Nintendo, parce qu'elle est branchée en USB sur le PC. Mais en fait, là, moi, je trouve que la qualité de la Super Nintendo avec un en capture direct, c'est très moche. Donc, je joue sur émulateur, je le cache pas, je joue sur émulateur. En général, ça passe quand même assez mieux. Voilà. Les robots font tellement chier. Bah les robots en fait faut calculer 4 coups. Les ninjas sont un peu plus chiants. C'est surtout les gonzesses. À chaque fois faut prévoir les 3 coups. Faut pas qu'un autre ennemi arrive à ce moment là pour te fausser ton combo. Putain c'est chiant qu'ils aient coupé les... Ça par contre c'est vraiment nul. Qu'ils aient coupé les... qu'il n'y ait plus les gâchettes. Alors je sais pas si vous jouez avec une manette... ceux qui jouent sur PC avec une manette 360, si vous avez toujours les gâchettes. Est-ce que c'est un bug de mon PC? Je ne suis pas sûr. Le but est d'anéantir les ennemis le plus vite possible pour pas se trouver surchargé. Putain, super, comment perdre? Comment perdre 2 vies là? Des points. Ah putain, 187 000. J'étais bien parti. Alors, attends, voilà, gros slip, hein. J'étais assez bien. Déjà, j'ai pas réussi. Je n'ai pas besoin du CG, hein. Bon bah salut Seigneur Falken, si tu veux, excusez-moi, je lis le chat, en fait je rattrape parce qu'il y a un peu de chat. Sans problème, ça fonctionne nickel, après tu supprimes tout pour ne garder que le pinball. Il est chaud, oui je suis chaud. Pour le package, en fait t'es obligé de télécharger les 16,8 Go. C'est un zip, ce que je te conseille c'est de créer un compte sur Mega, de prendre leur logiciel qui s'appelle MegaSync, l'installer sur ton PC, tu relis ton compte, et après tu retournes sur le fichier, tu dis ajouter à mon compte. Comme ça il va arriver sur ton PC avec le package complet. Et t'es obligé de télécharger le zip en fait, on peut faire que comme ça. Et après pour récupérer la partie pinball, bah après tu prends le futur pinball, t'as carrément toutes les tables qui sont dedans, et puis l'exécutable. Je vais réessayer. Par contre, le package de 16,8 Go, si tu prends pas le MegaSync, il est très galère à télécharger. Et en fait, ce package de 16,8 Go, il faut le télécharger même avec le MegaSync en une fois. Sinon, à chaque fois, il va te relancer le téléchargement à zéro. C'est super chiant. Donc, c'est pas comme un Dropbox où il te reprend la suite, quoi. Bah oui, on essaye. Donc, Seigneur Falken, on essaie de se capter rapidement. Ça serait bien. Ça fait trop longtemps que je dis, il faut faire une soirée. Il faut qu'on fasse une soirée. On va se faire une soirée. Cet été soirée, on se tient au jus, et puis si je te croise à Auchan, bah ça serait tant mieux. Donc voilà. Ah, tu bosses pas en ce moment? Ah, on est quel jour? Mercredi soir. Ah bah écoute, on se tient au jus, on va pas embêter les autres avec ça. Ouais, merci, j'ai essayé tout ça. Ah, ok, merci du coup. Ok. Ah non, je me suis... Ah merde. Bon bah écoute, on se recate un peu plus tard. Je termine mon live et on papotera.
On papotera. Allez, on va essayer sur Supercopter. En tout cas, encore une fois, merci à tout le monde, hein, Jeanne, qui n'aime pas les femmes dans Kung Fury Street Rage, parce qu'elle aime pas taper sur les femmes. Ça me rappelle... t'es pas comme ta collègue de boulot, Jeanne. Ah voilà, je fais n'importe quoi, ça y est, je dis n'importe quoi, je me concentre sur des blagues pourries et je fais n'importe quoi. Autant dire ce que vous dites. Bonne nuit, salut Folken. C'est sur quel logiciel que tu as fait le live avec Gros Slip? Alors en fait, James Ben, sur quel logiciel j'ai fait ça? C'est le logiciel qui est gratuit qui s'appelle ROM Station. Ça permet de télécharger. Donc les ROM qu'on veut et de jouer avec énormément d'émulateurs. Après, il suffit de rajouter, enfin de créer un. Donc on peut se rajouter en ami, hein, c'est toute une interface un peu à la Steam. Et après, on peut. Créer une partie en ligne sur certains jeux, donc un Final Fight, tout ça, et on peut donc enregistrer, on peut jouer en ligne, et ça c'est trop cool. Alors, le top du top, bien sûr, c'est jouer avec un pote à la maison, mais bon, là, dans un cas comme celui-là, James Ben, on pourrait se faire un live, mais je crois que t'es sur Mac, toi, par contre, il me semble, donc je suis pas sûr que ça existe pour Mac. Et voilà, mais voilà, ça c'est l'intérêt pour jouer avec les potes, justement, qui n'habitent pas à côté, parce qu'Internet, c'est bien, mais... ça fait rencontrer des potes qui n'habitent pas à côté. Alors Jeanne, je sais que tu m'as écrit quelque chose, j'ai pas encore lu. Donc pour info, alors si vous l'avez pas remarqué, le combo monte à chaque fois que vous avez anéanti un ennemi. C'est pas à chaque fois que vous tapez, hein. Putain! Ok, bonjour, j'ai fait n'importe quoi, 27 000 points! Ah bah là c'était obligé que je le foire. Oui je suis en cherchant du Hyper Spin. Oui Hyper Spin, oui je suis de Lyon. Je suis juste à côté de Lyon. Alors je sens que je vais bien trouver une excuse pour venir. Mais ça fait longtemps que je veux venir vous voir au boulot. Alors pour info, Jeanne c'est une cliente. Une cliente de mon boulot, parce que je travaille dans l'informatique pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc je raconte ma vie. Donc oui, il faut que j'aille vous voir. Je suis à 9050 points, mine de rien, je progresse. C'est pas mal, hein. 9050 points. 9050 points, il faut que tu t'entraînes, tout est dans le doigté. Eh, t'es une femme, tu dois avoir l'habitude. Ha ha ha. Je fais des bonnes blagues du vendredi en étant mercredi. Le problème c'est que là je me paumais là, putain, il y a trop d'ennemis.
Là, j'étais complètement perdu. Alors, j'ai pas l'habitude avec les objets inanimés. Kong Fury. Le but de ce jeu, si on veut monter en points, forcément, c'est de faire un putain de combo. Il faut arriver à au moins x80. Et c'est pas souvent qu'un jeu à 2€ m'éclate autant, parce que j'adore en fait ce... Merde, putain! Ce côté de challenge. Putain, j'ai appuyé trop tôt. Et le ninja, quand on a un super combo, putain, le ninja, il rapporte vachement de points. Putain, 30 000 points. Je vais laisser tourner l'ordi, je verrai demain matin, il y sera encore... Attends. Ouais, on a atteint 250 000, oui, mais moi, je pensais pas... Déjà, je pensais... Franchement, je pensais pas réussir à battre mon record. Mais là, en plus, comme j'ai pas mes gâchettes... Non, mais là, je suis content, 203 000, c'est bien, je suis content. Mais il faut que je fasse les 250 000! Le problème, c'est que pour remonter, c'est toujours très lent au début. Donc on a envie de faire plus vite, des fois après on craque, on foire, on fait n'importe quoi, on loupe des combos, on se fait toucher, donc on en a marre. Je suis étonné de ne pas encore avoir vu un seul ninja. Ah putain! Putain, j'ai fait n'importe... Ah, j'avais calculé le combo pour la nana derrière. Oh, 145 000 points. Les nanas, c'est 3 coups alternés. Donc à droite, à gauche, à droite. Enfin, ça dépend par où elles arrivent. Tu les frappes, elles passent. En fait, les nanas, c'est pas le plus dur. C'est juste qu'après il faut se repérer s'il y a un autre ennemi, si elle passe à gauche, qu'il y a un ennemi que tu tapes à droite, ça peut te fausser ton coup à gauche, enfin voilà, il faut calculer tous les coups que tu fais dans le jeu. Il faut se dire bah là c'est un coup à droite, un coup à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, 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 droite, gauche. Et deux coups après pour les blondes. Là les blondes en uniforme, c'est deux coups au même endroit. Oh. Elles arrivent à droite, de quoi à droite. Là, gauche, droite, gauche. Droite, droite, gauche, droite, gauche. Gauche, gauche.
Merde putain, j'étais en train de penser que j'ai pas mis la super intro de Game Geo. Bon là c'est pas un Game Geo mais bon. Et donc ça m'a fait perdre tout mon combo. Ouais parce que si tu penses à autre chose dans le jeu c'est horrible. J'aimerais bien avoir des stats de combien d'ennemis sont morts dans le jeu. Voilà, c'était là, j'y arrivais plus là. Faut se trouver une routine. Allez, la musique supercopter, je vais y arriver. Mode en décompresse. Ah! Là j'y arrivais plus, j'étais surchargé. Le problème c'est qu'au bout d'un moment t'arrives à saturation. Oh putain, 162 000, j'étais bien parti là. Blonde Inside, très bien. Faut juste se poser sur le jeu. Ah, je pense que je vais pas y arriver, sincèrement je pense que je vais pas y arriver. Là je commence à arriver, mon cerveau il me dit arrête là. Trop de chiffres. Tu peux plus. Et pourtant le problème c'est de se... Enfin, t'as toujours envie d'avancer, d'essayer d'aller plus haut. Allez plus haut. Non, j'ai pas chanté. Putain, je vais trop vite. Comment perdre son combo? Ah! Oh, la merde, ce jeu.
Je vais demander un refund de Steam maintenant qu'il rembourse les jeux. Je crois qu'il faut y jouer moins de 2 heures. C'est trop tard. Merde. Putain, j'ai fait n'importe quoi! J'ai refait n'importe quoi! Ah! Force de 3 puits sur ce putain de bouton! ...64 000 points, putain! Oh, là, je vous dis, mon cerveau, il commence à... Je suis en train d'écouter le Mage Murder, il y a un Knight Rider theme bien stylé. Oh bah il faut que j'écoute ça. Alors il y a un bruit qui fait... J'ai l'impression d'entendre Doom. Le bruit du Space Marine qui essaie d'ouvrir une porte et qui arrive pas, il fait... J'ai l'impression que c'est le même bruit. Là, je me suis complètement perdu, putain. C'est peut-être ça le secret. Pas monter trop en combo. Ça te prend plus de temps pour faire... Bon, faut pas se faire toucher. Pour se faire... pour faire ton truc. Mais t'as pas de ninja qui apparaissent. Parce que les ninjas, en fait, ils apparaissent au bout d'un moment quand t'es trop en combo, je crois. Là, je suis en train de perdre mon cerveau. En train d'écouter, il reprend même le Guy Theme, c'est un bon. Le Guy Theme va avec tout. The Guy Theme goes with everything. Tu as raison, Méroge. Même avec la pub pendant 10 heures de KFC. Si vous ne connaissez pas, vous tapez KFC Guy Theme. Et vous rajoutez 10 heures si vous voulez écouter pendant 10 heures. Ah putain, j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai refait n'importe quoi. Non. J'ai refait n'importe quoi. Thank you.
Le ninja a explosé, je me suis fait taper en même temps et ça a giclé. Ouais, bah bonne nuit, salut Jeanne. J'espère que ton exchange marche bien. Bonne nuit, merci d'être passé. Moi je vais continuer encore 5-10 minutes là. Je vais essayer de voir si j'y arrive, à mon avis c'est mort. Fais chier là, j'aurais bien voulu là faire un putain de score de la mort que tu là, un truc qui pète quoi. Ce qu'il faudrait c'est un capteur de mouvement. Tu tapes à gauche comme ça, tu tapes à droite, pam bam. Et après tu casses la télé. Toi, t'es mort. Putain, toi, t'es mort aussi! Et moi, je suis mort. Ça s'appelle Kainek. Non, mais Kainek, c'est de la merde. Come Fury. Moi, je veux un Power Glove, tu vois. Je veux la qualité du Power Glove. Tu fais comme ça. Regarde, regarde. Tape à gauche. Hop. Comme ceux qui débutent dans les jeux. Ouais. Putain, je me suis lourdé dans mon appuyage de bouton. Comment elle a eu le temps de me taper là, biatch? Oh putain, j'étais bien parti! Kong Fury. Ça c'est la musique que j'aime le moins, alors je sais pas si vous allez l'entendre. C'est vrai que je mets le son du jeu assez bas, sinon on n'entend pas ma voix suave et suante. C'est con parce que j'avais détruit plein de ninjas tout à l'heure là, ça s'était bien passé. Et là j'ai fait n'importe quoi. Ça va chier. De toute façon, le moment où j'arrêterai de jouer à ce jeu un jour, c'est quand j'aurai battu le score. Je suis encore embrouillé dans les boutons juste avant.
Là j'avais eu du mal, là j'y arrivais plus du tout. Bon, allez, on va essayer encore 2-3 fois et puis j'arrête. Mais j'ai pas envie d'arrêter. Allez, musique du supercopter là. Là j'ai fait nain. Quand je commence à faire n'importe quoi dès le début, c'est que là j'y arrive plus. D'ailleurs les blondes là, elles arrivaient, j'étais à combo 40. Ah putain, je fais n'importe quoi! Ah, je fais n'importe quoi, j'en ai marre! Ah, j'en ai marre. Oh, allez. Un dernier essai et dernière fois. Allez, dernière fois. La fois ultime de la mort qui tue la vie. Là, à mon avis, ça va être la fois ultime de la lose. Dernière, la der des der. Concentration de la mort. Sur ce genre de jeu qu'on a les doigts qui se musclent bien. Ça commence à être dur là-haut. Oh, oh, mais sérieux. Putain, mais stop. Voilà. 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 Bon. Je suis content. J'ai réussi à battre mon record. Mais fais chier. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, merci d'être venu, c'est très sympa. Ça me fait plaisir de vous voir sur le chat. Et bah, je vais uploader ça demain, le temps que je retouche 2-3 trucs là. Et puis voilà, bon merci en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain Game Geo, sachant que j'en ai énormément en tête, là j'ai un Mr. Nuts que je veux vous faire suite à l'annonce de Philippe Dessoli, le créateur de Mr. Nuts qui balance un sondage, est-ce qu'on aimerait retrouver Mr. Nuts? Oui, moi j'aimerais le retrouver, par contre ça veut pas dire qu'il va le ressortir si on vote tout, s'il y a 2 millions de votes quoi, quoi qu'il y en a 2 millions peut-être qu'ils vont réfléchir, bref. J'ai du Wolfenstein The Old Blood. J'ai pas mal de trucs à vous sortir. Donc je vais faire ça. Et j'ai notamment, je vous le montre, je vous le dis en live aussi, je veux vous faire un unboxing du Power Glove. Mais je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je vais le faire, parce que je veux faire un petit truc sympa avec le test et tout sur la NES qui est juste là, sur la télé, et c'est de la grosse merde, mais je vais vous le montrer en live. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo simple. Merci encore, à bientôt, salut, ciao.